bien bonjour à tous et à toutes, c'est Keido et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Danganronpa. J'espère que vous allez tous et toutes bien car moi ça va super, j'ai la pêche, la patate, la banane, la frite, la pomme de terre, la poire, la tout ce que vous voulez, tous les fruits, manger 5 fruits et légumes dans la journée. C'est bon pour la santé, ouais, en plus je fais une petite rime là, wesh il est chaud Keito. Blague à part, j'espère que vous allez tous et toutes bien car moi ça va super comme vous pouvez le voir. J'ai repris du poil de la bête là, ces derniers temps j'étais un petit peu fatigué et tout là. Wouah, Keito il... Et pourtant, Keito, samedi il a essayé de faire un live, c'était pas facile du tout hein. Mais bon, passons. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Lors du dernier épisode, on s'est arrêté sur la découverte de, si je dis pas de conneries, attendez, je vais quand même vérifier parce que... Attendez, je vais quand même pas rien dire, mais c'était hier soir, juste avant l'entrepôt. Ah bah non, pas du tout, on a encore rien découvert, je crois. J'ai vu prendre un survêtement et ensuite je suppose... Ah si, on a découvert que Chihiro était en fait une fille. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer et finir le conseil de classe. Et ensuite, on s'arrêtera là parce que je sais que en 30 minutes, on n'arrive pas à la fin du chapitre. Donc, il reste encore un épisode derrière. Voilà. Il semble probable que le problème... voilà. Et c'est à ce moment qu'il a dit quelque chose que j'ai trouvé curieux. Du coup, bien le prochain let's play débutera pas vendredi ou samedi parce que ça a rien de faire en plein milieu de, enfin en fin de semaine. On le commencera la semaine prochaine, voilà. Eh bien, je ferais mieux d'y aller, je suis assez pressé. Chihiro m'a dit qu'il était pressé, mais pourquoi serait-il pressé? Seulement si quelqu'un l'attendait, je dirais. Donc, Monsieur Fujisaki était sur le chemin pour rencontrer quelqu'un. Mais Ina et moi l'avons invité pour s'entraîner, il a toujours refusé. Probablement parce qu'il avait peur que vous trouviez le secret qu'il cachait, n'est-ce pas? Ce qui signifie réciproquement qu'il devait vraiment faire confiance avec la personne assez pour qu'il risque de révéler son secret. L'idée c'est que la personne qu'il a rencontrée est le coupable, c'est ça? Donc il faut juste, en sachant que nous connaissons, je ne peux même pas dire... Non, tu as déjà ce dont tu as besoin pour faire la connexion. Comment ça? Tu sais qui est le tueur? Sérieusement? Qui sait? Qui est le tueur? Souvenez-vous du survêtement et du sac de sport, le tueur a éliminé. Concentrez-vous sur des détails de ces objets et la personne qui l'attendait. Tu es sûr de ça? Tu penses vraiment que nous pouvons trouver qui l'a fait en se basant sur ces deux éléments de preuve que nous n'avons pas? Tu veux retrouver des empreintes digitales ou quoi? Même si nous avions le matériel pour ça, nous ne savons pas comment l'utiliser. Comme nous l'avons indiqué, la preuve n'est plus là, il n'y a rien pour prélever des empreintes. Voilà, ça commence. Peut-être, mais nous pouvons faire certaines déductions si nous prenons juste le temps d'en parler. Facile à dire pour toi, mais passons. Céleste, as-tu remarqué quoi que ce soit à propos du sac ou du survêtement? Le sac était seulement un sac de sport normal de l'entrepôt. Tous les sacs là-bas sont les mêmes, je peux donc imaginer ce qui rendrait celui-là spécial. Bien, si je ne me rappelle pas, il y avait une variété respectable de survêtements. Alors, par contre, je me suis trompé parce qu'au début du conseil de classe, j'ai dit « Ouais, c'est sûrement Céleste qui l'a fait, mais c'est pas Céleste. » Voilà, je vous le dis. Parce que en fait, pour vous raconter, milieu de l'épisode, avant qu'on annonce sur qui était posé les soupçons, je me suis rappelé de qui était le tueur. Alors, je vais pas vous dire c'est qui, mais c'est pas Céleste. Penses-tu qu'il puisse y avoir un lien entre le survêtement et... Peut-être, explorons cela et parlons un peu plus du survêtement qu'il a pris. Le survêtement, curieusement, c'est vraiment difficile à croire. Pam 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 pam. Prépare tes arguments. Témoignage de Celestia. Ah. Tout d'abord, nous savons que si Rose, elle était en route pour s'entraîner dans le coin du monde, pourquoi avait-il pris ce... Qu'est-ce que tu veux dire pas précisément? Je sais, il a pris ce survêtement car le responsable avec celui portait... Vous dit que... Eh oui, on n'a pas précisé. J'adore ce moment-là parce que c'est à ce moment-là qu'on comprend qui était le tueur. Attends une seconde, Mondo, qu'est-ce que tu viens de dire? Quand Céleste a témoigné quelques minutes plus tôt, elle a dit « Je l'ai vu prendre un survêtement dans un sac de sport et ensuite, je suppose, il est parti s'entraîner. » Elle n'a jamais rien dit sur la couleur du survêtement. Alors pourquoi as-tu dit le survêtement bleu de Chihiro? Qu'est-ce que tu... Céleste, de quelle couleur était le survêtement de Chihiro? Bah bleu. Pour tout vous dire, il était bleu. Pardon. Et avant que nous ne commencions le tribunal, l'avais-tu dit à qui que ce soit? J'en ai parlé qu'à toi.
Alors Mondo, comment savais-tu que cette couleur était le survêtement de Shiro? Parce que j'ai juste... Je suis certain qu'il a vu l'événement à un moment donné durant l'entête. Dans l'enquête, pardon. L'entête. Non, c'est pas possible. Le sac et les vêtements ont sûrement été détruits avant même que l'enquête ne commence. Effectivement. Alors l'unique raison pour laquelle il a pu le savoir de la couleur était le survêtement. De la couleur du survêtement était... Ce serait qu'il avait vu Shi avant qu'il meure. Si, tu parles de Shiro. Donc t'en dis quoi? T'as vu le survêtement ou pas? Juste passant, je suis tombé sur le survêtement hier soir. Il est passé devant moi et il portait le survêtement dans ses mains. Non, ça aussi c'est impossible selon le témoignage de Céleste. Elle a rapidement remis la veste comme si elle est partie. Quand Céleste l'a remarqué, Shiro s'était assuré de bien mettre son complément à l'intérieur du sac. Et si tu as simplement croisé brièvement, tu ne pouvais pas voir de quelle couleur était. Il semblerait que tu aies creusé ta propre tombe. Peut-être, mais tu as donné la peine, n'est-ce pas? Se concentrer sur l'événement et la personne qui la rencontre serait évidemment du grand n'importe quoi. Ah, je comprends à présent, tout ça n'était qu'un grand bluff. Ta vraie intention était de récupérer un lapsus du coupable. Eh oui. C'est mesquin. C'est pourquoi tu as dit que tu savais qu'il avait fait pour le pousser à bout. En effet. Cependant, Mondo était ma cible tout le long. Mes soupçons étaient portés sur lui depuis le début. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était lui? C'est une bonne question. La façon d'agir. Façon d'agir? Il y a eu un point crucial qui m'a dit. Peut-être, Mondo, tu as tendance à parler différemment aux hommes et aux femmes. Pour les garçons, c'est mec, et pour les filles, c'est poulette. Après qu'il soit tué, tu as parlé en utilisant mec. Quand j'ai entendu ça, j'ai réalisé que Mondo savait quelque chose que nous ne savions pas. Tu as remarqué hein? Une sorcière, c'est une sorcière. Non, je ne suis pas celle qui est terrifiante. Pas aussi terrifiante que quelqu'un qui est capable d'assassiner un ami. Mondo, c'était vraiment toi? Tu as vraiment tué Shiro? J'ai tué personne! Vous êtes tous là sur moi en me jugeant à tout ce que vous dites. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me traiter comme un... C'est vrai, mon raisonnement sur ce point est plutôt vacillant. C'était rapide. Eh bien, cela nous confronte à un problème. Mon heure est bientôt... Ah merde, j'ai appuyé sur les touches rémanentes. C'est ce que mon petit ami fantôme me dit. Ah oui, c'est vrai que Fumi... Quel genre de preuve? En fait, tu sais, maintenant que j'y pense, mon Dieu, ta confiance a été pas... Si vous insistez vraiment, alors... voilà, c'est quoi? Il se trouve que c'est un électroïde. Je l'ai trouvé posé sur le sol, donc j'ai ramassé. Celui de Shiro, je crois. Voilà. Nous savons que l'électroïde de Shiro n'était pas sur la scène du crime, n'est-ce pas? De source sûre. Certainement, en effet. Absolument sûr de l'avoir trouvé. Je suis absolument sûr de l'avoir trouvé. Alors, il doit contenir des indices sur le coupable, non? Eh bien, c'est ce que j'espérais, mais il est cassé, il ne sait même pas. J'imagine que le coupable l'a cassé pour se débarrasser de toute preuve à priori. C'est étrange, je ne pensais pas que... En effet, ils ne le sont pas, ils sont totalement résistants, et pourtant celui-ci... Pour être honnête, c'est un taux de défaillance remarquablement élevé. Tu penses qu'il pourrait y avoir une sorte de mystère quelque part? Comment l'électroïde s'est cassé? En utilisant le seul point faible! Tu nous avais dit qu'il y avait un point faible, n'est-ce pas? Sûrement, peut-être que je l'ai laissé s'échapper, mais je n'ai... Mais si l'électroïde est supposé ne jamais casser et que deux d'entre eux sont cassés d'affilée, nous pouvons imaginer que quelqu'un a trouvé son point faible. Tu me demandes à moi, je pense que c'est une information nécessaire si tu veux que ça... Mais si je le dis et que quelqu'un décide de profiter de cette faille, ce ne sera pas bon. Allez, dis-le nous, pourquoi on irait casser nos propres électroïdes? Bon, eh bien, j'ai un fait pour les demandes insistantes. Pour les demandes insistantes, mais vous êtes sûr de ne pas suivre leur exemple? Allez, alors permettez-moi de faire une annonce spéciale. Le point faible de mon électroïde dernier cri est... Quand il est exposé à de hautes températures pendant très longtemps, il souffre d'une fusion et se brise complètement. Je le savais. Tu le savais? Ouais, parce que j'ai trouvé l'électroïde posé sur le sol du sauna. La température dans le sauna peut dépasser... Étrange qu'on ne se brûle pas, hein, c'est parce que quand... Oui, bon, ça... Si l'air du sauna, cette couche se disperse. Donc quand vous êtes dans un sauna, faites bien attention à rester immobile. Intéressant, j'ai appris une nouvelle chose. C'est une simple graine de connaissance assez... Ouais, c'est... Alors le tueur a dû augmenter cette...
Le coupable connaissait sa faiblesse. Mais comment il a trouvé Monokuma a dit qu'il... En effet, quel mystère. Comment ça par accident? Et si le tueur avait amené son propre rectoïde ne connaissant pas, puis l'avait cassé, le tueur aurait... Alors, je crois que ça va bientôt être la... Le moment où ça bug. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais qui aurait bien? Je ne connais personne ayant pris son électroïde. Je connais peut-être quelqu'un qui l'a fait. Alors, on va sauvegarder. On va sauvegarder. Hop, voilà. Ah oui, il y a une sauvegarde de plus parce que bah, j'ai tourné un épisode et puis ça a planté. Enfin, si vous avez vu l'épisode samedi, bah non, personne ne l'a vu. Je pense que celui qui a prendre était... Qui aurait pu amener? Ça doit être celui qui portait... Alors, attendez. On va sauvegarder ici, comme ça on sera encore plus près. On sera encore plus près. Hop. Voilà. Et là, voilà. Bon alors, à tout de suite. Ok, les amis. Alors je passe ça en anglais, c'est un petit truc qu'il faut savoir. Enfin, que je fais. Quand mon PC, en fait, enfin quand le jeu bug, je le passe en anglais. Et en fait, c'est tout le temps quand ça c'est à select une personne. Donc c'est une chose à savoir. Donc voilà, on l'accuse lui. Hop, voilà. Donc on se retrouve dans un instant. Re les amis, donc c'est bon, allez. C'était la dernière fois qu'on avait à faire une ellipse où on devait choisir quelqu'un, donc vous en faites pas. Mondo, donc ça, il a amené son électroïde dans le sauna. Pourquoi tu continues à l'accuser? Mondo et Taka ont effectué une épreuve d'endurance dans le sauna il n'y a pas trop longtemps, vous vous rappelez? Mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'il avait aussi laissé son électroïde dans une de ses poches. Et quand tout était terminé, Mondo a découvert qu'amener son électronine pouvait le détruire facilement. Non, attends, tu te trompes, il ne tuerait jamais, je ne l'accepte pas, montre-moi la preuve intangible. Je ne peux pas croire, mais j'ai trouvé quelque chose qui le prouve sans l'ombre d'un doute. Alors là, je crois qu'on passe au triple balle. Je crois qu'on passe au triple balle, voilà. Donc, merde. Merde. Voilà. Donc là j'ai fait au pif, hein, je vous rassure. C'est juste que je me souviens que voilà. Que en fait, Mondo, il n'a pas son électroïde. L'électroïde cassé qui était dans le principal. Ça ne serait pas celui-ci en réalité. De quoi tu parles? Ce que je veux dire, je pense qu'il a pris l'électroïde et l'a remplacé avec le sien. Après tout, Monokuma a dit lui-même que Léon n'aurait jamais dû casser. Dans ce cas, l'électroïde cassé dans le hall est celui de Mondo. Ce qui voudrait dire que Mondo possède actuellement en réalité celui de Léon. Mais ça ne transgresse pas le règlement de l'école. Bien là est ma façon de voir les choses. Il y a une règle sur le prêt, mais si on est mort, on n'est pas étudiant. C'est un peu une zone d'ombre, je l'admets, pas d'inquiétude, nanana. Par conséquent, je décrète qu'échanger avec un drive n'est pas une infraction. Je suis content d'admettre que j'ai fait une erreur, mais... Fils de pute. Qu'est-ce qui ne va pas, camarade? Vas-y, dis-lui qu'il a tort. Tout est manigancé, d'accord. Alors pourquoi ne pas prendre du recul? Donc là, on va passer sur la truc de... Où faut faire... voilà. Donc... Donc... Là... On a ceci. Ensuite... Ici, on a ça. Mince. Puis ça. Ensuite...
Ce qui est bien, c'est que je me rappelle un petit peu, donc on va pouvoir être vachement rapide. Donc, hop. Voilà. Donc ensuite, il décolle et il recolle. Ici. Ici, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Voilà. Donc ensuite, on a Byakuya qui arrive. Qui soif de sang. Ensuite, ça. Il le lance. Et normalement, c'est imperfect. Tout d'abord, revenons sur ce qui s'est passé. Nanana, à ce moment-là... Ok, c'est bon. C'est quelque chose est un survêtement bleu, tu peux nous le confirmer, Céleste. Son sac, nanana... Elle s'est rendue dans le vestiaire. Donc ça, c'est bon. Ouais. Et donc elle est rentrée chez les garçons. Parce que c'est un garçon. Donc là, une fois elle a rencontré la personne avec qui elle avait rendez-vous. Ensuite le tueur donc a pris une alterne. Donc ça aussi c'est bon. Il lui a fracassé le crâne. Voilà. Il y a eu du sang un peu partout. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Elle est morte. Enfin, il est mort du coup. C'était probablement dans le feu de l'action. Donc ensuite, il change. Bam, bam, bam. Hop. Puis ensuite, il va... Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Alors du coup, c'est quoi? Attendez. Ce serait ça? Non, non, c'est pas ça. Non, alors ça doit être ça du coup. Parce que là... On va voir. On va voir. Si c'est pas ça, alors c'est Byakuya qui arrive. Mais je crois pas que c'est Byakuya. Ok. Bon bah si c'est Byakuya. Normalement c'est ça. Hein. What? Mais attends, c'est la porte? Et du coup, il y a un autre endroit où je me suis trompé. Bon, peut-être pas, je sais pas. Eh, si c'est pas ça, là, je... Ok, je me suis foiré à un endroit. Ah oui, c'est ça. Non. Mince. C'est ça, je crois, non? Je crois que c'est comme ça. De toute façon, on verra bien. Soit je me trompe et c'est perdu... Ok, c'est bon. Bon, et maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y a pas de d'autres... Et merde, on a perdu. On a perdu. Allez, on recommence. Peu, peu, peu. Allez, allez, c'est pas grave. Oui, on retente le coup. Allez. Fais chier, je pensais que j'avais... Ouais, je pensais que j'avais un bon, de bons souvenirs, mais en fait, visiblement pas. Donc, là, on sait que c'est Shiro qui arrive avec son sac, qui est là, voilà. Hop. Ensuite, donc, on a ça et ça. Voilà, donc ensuite, il prend l'altère qui est là, voilà. Il lui fracasse le crâne. Voilà. Qu'ensuite, il retire. Il amène chez les filles. Hey, wait. Pourquoi il n'y a pas...
Ah oui, voilà, c'est pour ça. Donc ensuite, on en est à ici. Donc voilà. Donc ensuite, il va chez les filles. Donc chez les filles, il doit faire ça normalement. Donc ensuite, on a ça. On a ensuite la soif de sang, l'électroïde et ceci. Normalement, c'est bon. Hop. On s'arrêtera une fois que Mondo sera accusé coupable. Enfin, là, on sait déjà que c'est le coupable parce que du coup, voilà, mais... Mais du coup, je veux une fois qu'on aura fini le conseil de classe, une fois qu'on aura eu le Monokuma, vous savez, la truc de casino là, la machine à sous. Donc ça, c'est bon. Ok. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Jusque là on sait que c'est bon. Ça c'est bon aussi. Ok, c'est bon. C'est exactement ce que tu as fait. Voilà. Donc ensuite, Byakuya est arrivé avec le fil. Il a accroché, il a écrit soif de sang parce que c'est un peu trop dark. Ah, qu'est-ce que... Wait. Attendez. Du coup c'est celui-là. Donc du coup, après que Byakuya est arrivé, et voilà. Du coup, n'est-ce pas Mondo? Donc voilà comment ça s'est passé. Attendez, où est ta preuve? Où est ta preuve? T'as besoin d'une preuve sans aucune preuve. Une preuve, je peux tout. Une fois que j'aurai fait, tout ça, c'est clair. Non. Donc là, on va passer au moment of truth. C'est le moment. Wait! Et c'est bon, je crois que j'ai compris comment ça marche. Ouais, ok. En fait, à chaque rond... Boum. Et c'est fini. En fait, à chaque rond, il faut soit faire clic droit, soit faire clic gauche. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mondo a dû remplacer son manuel cassé avec celui de Léon. Nous verrons, on n'a pas à faire ça. Ouais, ouais, je l'ai fait, je l'ai tué. Et voilà, il avoue. Tribunal de classe. Pas mal. Donc on a gagné 74 médailles en plus. Camarade, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas le choix mec, après avoir entendu tout ça, je ne peux qu'abandonner. Vas-y Monokuma, qu'on en finisse. Demande le foutu verdict. Roger, attendez s'il vous plaît, non pas d'attente. Place au moment que nous attendons tous, attrapez vos leviers et donnez un coup sec. Qui élirez-vous en tant que nanana? Faites un choix ou le choix mortel. Qu'est-ce qui... Ça va être qui?
Eh oui. Mando est le coupable. Eh bien, mes amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, on arrive sur la fin. Ça se trouve, il reste peut-être que 15 minutes de fin avant la fin. Mais c'est pas grave. Je sais qu'il reste au moins plus de 10 minutes. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé. On se dit à la prochaine pour l'épisode, enfin le dernier épisode pour le moment. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.